deux minutes. Alors là, j'en reviens pas. Je suis tout retourné, carrément content, voire même un petit peu ému. J'ai reçu mon premier mail d'internaute qui dit... C'est parti, je réponds à la question en images. 6 heures, le réveil sonne, je me lève tard. Pour Datitcha, c'est une nouvelle journée qui démarre. Je taffe ma zik, je tape le beat, je colle des notes, des accords, fais des efforts, j'ai l'idée qui sort. Le truc me tripe, je deviens fou, j'ajoute un groove, et c'est le kiff automatique à de montrer à l'équipe. Je façonne le son de façon à laisser de l'espace aux syllabes, je frissonne quand les sonorités se placent. 8 heures, attaque le texte, 9 heures, j'ai que deux phrases. À 11 heures, je suis perplexe, à 13 heures, j'efface mes phrases. Je me reconcentre, ça reste un plaisir, avec le sourire en 2 minutes, j'ai fini par l'écrire. Je fais le sac et je file vite chez mon DJ, lui file les beats, le taf subtil, payer m'éclate à chaque date. Il faut qu'il sache, placer les scratchs, passer les phrases et basse efficace, casse et tabasse. 15 heures en salle, avec mes breakers, on cale les phases. Freestyle en top rock, je tape le pop à l'occasion. Nice. Corée, calé, carré, taré, on peut démarrer. On fait les balancés, rap sur mes beats cadencés. 11h en loge, on se prépare et c'est parti. Chaud comme la braise, le public est averti. Concert mortel, c'était sans trêve. Ouf, 4h du mat, dans 2h je me lève. Si toi aussi t'as une question à me poser, un thème à me donner ou un mot à me proposer, laisse-moi un message sur Facebook. Quoi, déjà un message? Bonjour, Datitcha, c'est votre propriétaire. Je me demandais si vous pouviez rapper et payer votre loyer. Bon.